Tu vas? Tu veux pas qu'on aille lui parler? Non, non, c'est bon, vas-y si tu veux. Attends, t'as pleuré? Ah non, c'est bon, moi. Si, t'as pleuré. Merci. Écoutez, on peut dire que c'est une réussite. Franchement, les élèves étaient totalement attentifs. Ah oui, c'était très intéressant. C'est dingue la vie qu'elle a eue quand même. T'imagines, t'as 6 ans, tu vois le débarquement. Je crois qu'on ira raconter notre vie à des jeunes quand on sera en maison de retraite. Qu'est-ce qu'on leur dira? On a connu la crise? C'est la crise! Ah ça y est, tu fais la gueule. Mais non. Bah si, tu fais la gueule. Qu'est-ce que t'as? Ce que j'ai, c'est que je viens de pleurer en écoutant une vieille dame raconter son enfance, alors que celle de ma grand-mère, je la connais pas. Tu vois? T'as pleuré. Bon, elle s'appelle comment déjà ta grand-mère? Afida. J'ai pas son adresse. J'ai pas de numéro. Et si je demande à ma mère, tu la connais, elle va faire une crise. Et puis, je sais même pas si elle a encore envie. En même temps, une grand-mère qui te traite de bâtarde, ça calme, hein. Sa place est dans un musée. Arrête avec tes films. C'est quoi en arabe là? Pour Wafa, la prunelle de mes yeux, ma mère Fida. La prunelle de mes yeux? Oui, Hainia, c'est un petit mot affectueux. C'est la traduction de bâtarde aussi? Ben, c'est ça que je comprends pas. Elle me l'a envoyé 2 ans après la mort de papa alors qu'elle me parlait plus. Alors, ça y est, j'y suis. C'est un foyer de personnes âgées à Paris. Mais tu fais quoi là? Merde, s'occuper. Bon, on a qu'à y aller? Où ça? Bah, à Paris! Si tu crois vraiment que ma mère elle va me laisser partir? Mais on lui dit rien, on part vendredi. Pendant que les autres vont au Mont-Saint-Michel. On prend le premier train du matin et on est rentré le soir. T'es complètement barge! Mais je sais! Mais c'est pour ça que tu m'aimes! Pas vrai? Attends, je comprends pas. Le GPS peut pas se tromper. Bon, maintenant, on fait quoi? Bah, les vieux, ils les ont pas enterrés vivants. Ils ont bien été recasés quelque part. Les vieux du... les pensionnaires du foyer Edith Piaf? Ils ont tous été relogés dans différents endroits. Je ne peux pas vous donner cette information, mademoiselle. Non, même si c'est votre grand-mère, c'est la loi. Protection de la vie privée. Non, non, j'ai pas de liste nominative. Mais j'ai la liste de tous les foyers. Bon, d'abord, vous baissez d'un ton, je vois pas pourquoi je vous répondrais si vous m'agressez. Ah oui, voilà, c'est ça. Afida Marsouki. C'est pour ça que je la trouvais pas. J'aurais tellement aimé vous dire qu'elle était encore là. Non, n'insistez pas. C'est quoi son nom déjà? Je me rappelle. Elle était super forte au bridge, non? Ah, toutes ces petites dames là qui ont suivi leur mari et qui se retrouvent toutes seules en maison de retraite. Mais ça fait un moment qu'elle est plus là. Il faut revenir, hein. Non. Suivant. T'imagines le nombre de foyers qu'elle a dû faire? En combien? 3 ans? À son âge? Hop, 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 hop! Non, 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 c'est terminé les visites, là. Pour revenir demain matin à 9h. Je veux juste savoir si ma grand-mère est bien là. Pourquoi, vous êtes pas sûre? Non, c'est compliqué, en fait. Ma mère et ma grand-mère... Ouais, bah, bref, c'est quoi son nom? Afida Marsouki. Ça me dit rien, ça. En même temps, il y a pas mal de va-et-vient, hein. Vous savez combien ça coûte de rester ici? Non. Combien? Eh ben... S'il vous plaît, vous êtes le dernier sur la liste. Vous êtes notre seul espoir. Ouais, quoi encore? Voilà. Attends, attends, attends une seconde. Demain, 9h. Quel con! Vous pouvez pas vous passer de moi une minute? Mais t'as vu ce mec?
Demain, 9h. Laisse tomber. Viens, on s'en va. Vas-y. Émilie, viens. Bon, maintenant ? Mais qu'est-ce que tu veux, on rentre hein. Quoi ? Là, tu me connais pas. Non, on va pas s'arrêter là. Mademoiselle. C'est plus de mon âge de courir après les filles. Vous avez oublié ça ? Merci, mais... On n'a pas l'habitude de voir des jolies filles comme vous par ici. En fait, c'est qu'on recherche ma grand-mère. Afida. Afida. Afida Marsouki ? Oh putain ! Oh pardon ! L'amiante, on savait pas que c'était si dangereux. Moi, j'ai eu plus de chance que votre grand-père parce que j'étais pris à temps. Quand on se retrouve dans une maison comme celle-là, des gens comme votre grand-mère, c'est... Shams. Comme un rayon de soleil. Elle s'occupait un peu de tout le monde. Ah, ça me rappelle quelqu'un, ça. Et elle vit plus ici. Pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt ? C'est que... Après l'accident de mon père, ma mère et ma grand-mère se sont engueulées. J'avais 12 ans, donc je voyais tout du côté de ma mère. Et après ça, on est parti à Dieppe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Elle me manque. Elle a beaucoup de chance. Wafa, vous portez bien votre prénom. Je vais vous dire un secret. Je vais vous donner l'adresse de votre grand-mère, à Reims. À Reims ? Attends. À Reims, c'est qu'à 1 heure de Paris en TGV, hein ? On sera jamais rentré pour ce soir. Attends, tu préfères quoi ? Te faire engueuler par ta mère ou jamais revoir ta grand-mère ? Oui. Merci. Vous n'imaginez pas l'importance de ce que vous faites. Et salut là de ma part, de la part de Farid. D'accord, au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Bien. En fait, ça veut dire quoi, vous portez bien votre prénom ? Wafa, ça veut dire fidélité. Oh, c'est pas mal. Ok, j'ai compris. Tu m'attends là, je reviens. Merci. Bonjour, madame. Les élèves sont tous là, prêts à vous écouter. Tu me fais signe si je parle trop. Ton grand-père a allumé la télé pour que je m'arrête. Viens. Je